pratique d'avoir plus de téléphone. Ah j'ai pas vu où il est, mais j'ai mis. Oh non, t'as le nom de citrouille. Bon, vas-y, bien sûr. Mais citrouille, alors attends. Non. Non. Je t'en ai pris qu'une seule, mais il en faut 5 goldées. Je sais, je vais essayer d'avoir de la goldée. Mais je sais qu'il en fallait une. Au niveau d'agriculteur, j'espère que. Bon, déjà, j'en ai une. Et c'est tout. Ah, deux. C'est pas le bon. Trois, quatre. Il en manque une, il en manque une. C'est bon, on a les cinq. Alors, yes. J'ai un panier de baies, c'est pas un panier de mur, c'est un panier de baies. Bah, c'est sûrement celui-là. Bah, ouais. C'est perturbant. Je pense avoir oublié. Je vais y aller après. Allez, on va revendre toutes les citrouilles. Bon, m'en voudrais pas, j'ai pas crié du coup. Mais je suis vraiment déçu, moi. Quoi? T'avais promis. Ah. Je sais que les voisins sont là, donc. T'avais j'ai promis. Crié. Crié. Ah panier non, pour ça, faut aller sur le. Pour cette chanson de Christophe, faut aller sur le YouTube des parodies. Ah non, c'est bon. C'est vrai. Au secours. Panier de mur. Regarde l'écran, Yakipon. Je regarde l'écran, oui, je vois. Il y a écrit quoi en bas? Il y a écrit récompense, serre. Voilà. D'accord. Ok, bon, on a une serre. Non, pas encore. On va avoir une serre. Ah, c'est fou, elle est... Ouais. Par contre, il y a une ruche, Tratos. On va avoir la serre. On va avoir la serre. Alors, la serre, par contre, pour l'avoir, il faut. Les produits des vaches. Oh, j'ai oublié d'acheter des vaches. Des produits d'artisanat, des fruits, des fromages et des trucs goldés. Voilà. À quand la prochaine parodie? En vrai, il y en a une qui aurait dû sortir il y a maintenant, mais j'ai eu la flemme. Ah bon? Ouais. Comment tu peux avoir la peine de sortir une parodie? C'est ta vie, Guillaume. Non, c'est pas ma vie. Oui, c'est juste que. À l'origine, c'est un projet de parodie d'il y a un an. Il a traîné parce que Covid et compagnie, c'est pas moi qui aurais dû l'interpréter. Et il se trouve que, justement, avec toutes ces histoires Covid et compagnie, ça a trop traîné. Et je me suis dit, bon, bah, je vais la faire moi-même, c'est-à-dire l'interpréter. Parce que le texte, bon, vous savez qui c'est qui l'écrit. Et au final, je. Bah, quand j'ai compris que c'est moi qui devais chanter, j'étais là, j'ai pas envie. J'ai traîné. Et donc voilà. Si j'ai la foi, je fais ça demain. On est quel jour demain? Demain, on est mardi. Si j'ai la foi, je fais ça peut-être demain. Donc ça sortira peut-être début janvier. Si j'ai pas la foi, ça sortira en décembre 2021. Ça va, t'es large. Non mais c'est vrai, c'est un texte qui est écrit depuis un an quand même. Ah ouais, en vrai débarrasse-toi-en. Mais c'est un texte terminé, parce qu'après il y a plein de textes commencés ou à chipoter ou à finaliser, mais voilà, c'est là ce texte-là en particulier est finalisé depuis un an. Est-ce qu'on peut dire que c'est un travail terminé? Travail terminé. En termes d'écrit, oui, après le reste... Même l'instrumental est terminé, il manque que la voix. Ah mais attends, ah ouais. T'as fait l'instrumental toi-même? Non, Internet a fait l'instrumental. Mais c'est vrai. Acapella a fait l'instrumental. Tu devrais faire des parodies comme ça grâce à Acapella. J'avoue. Les voix robots là, fait pas forcément Acapella. Ah mais j'ai pas les compétences pour ça. Je vois ce que tu veux dire. Mais... Parce que ça peut être très drôle. Bon, il est où Linus? Mais il est à côté de Cortex. Bah c'est ce que j'allais dire, mais non. Et regardez, oh là là, mais qu'est-ce que, oh là là, c'était les ressources goldées. Trop bien. Espérons que tu aies un bon foie. Par rapport à quoi tu as dit ça? Elle rose, par rapport à quoi tu as dit ça? J'ai pas compris. T'as la foi, t'as dit que t'as pas la foi. Parce que je spoil, mais la chanson s'appelle Balance ton foie. Oh non, c'est Angèle. Oui. Oh. Peut-être pour ça, du coup, t'as la peine de la faire. Ah oui, non, mais allez, c'est vraiment, toi. En vrai de vrai, quand je fais interpréter les parodies par quelqu'un d'autre, il y a toujours une version où il y a ma voix dessus pour dire essayez de poser votre voix à peu près par là. Après, il y a quand même un truc de. Je laisse quand même la liberté, mais.
c'est vraiment pour respecter les paroles. Et donc, la version brouillon existe et c'est très très dur à sortir, à interpréter, vraiment très très dur. Je pensais pas qu'Angèle serait si difficile à interpréter. Est-ce qu'on peut dire que Angèle hydroalcoolique? Oh, j'aurais dû le caser ça quelque part. Il est pas encore trop tard, mais bon. Ah voilà, si, c'est trop tard, mais du coup ça peut donner des idées. Bon, je cherche toujours Linux au passage. Mais... La version alcoolisée. Mais s'il faut, il est dans sa palette, il dort. Non, il y est pas. J'irai demain. Ah bah attends, je vais aller au musée du coup vite fait. Au passage. Stop les DSVP. Ah d'accord, ouais. ASMR 2D. Il y a juste que t'es en train de te gratter les dents très fort, c'est horrible. Ouais, non, j'ai pas de mug pour ça. 15 et 18. Vous faites le total et vous divisez par 2. 11 et demi. Mais non. 15 plus 18. Eh ben, ça fait 33. Voilà, mais divisé par 2, ça fait pas 11 et demi. Non, pas du tout. Je sais pas compter, hein. Mais c'est toi le scientifique. What the fuck is going on? Moi je suis en train de miner, hein. Moi je suis dans mon délire. Hein. Je suis sur une planète, moi. D'accord. Elle s'appelle comment ta planète? Un petit geste pour ma planète. Vous avez un bon en maths. Eh, hey, heureusement. La blague est validée. Ah si, à putain ton arme. Ah, je savais que t'allais réagir. Parce que c'est aussi bien que Joséphine, on m'a volé mes légumes. Oh. Ah, c'est tellement drôle. Non, sérieux. Il me manque 4 bois durs. Et la quête se termine demain, je crois. Genre, ils disent que c'était le dernier jour. Oh non. Ben, j'ai raté à 4 bois. Mais non, t'as pas... il reste encore un petit peu de temps. Il y a écrit dernier jour. Sur oui, non, mais s'il y a le bois dur, tu peux peut-être en trouver quelque part. Mais non, je viens de faire toute la forêt. C'est la fin. À 4 bois près. J'ai tellement les nerfs. Parce que j'imagine que si je prends 4 bois sur moi, ça passera pas. Elle va pas être contente. Vas-y, écoute, vu que c'est peut-être le dernier jour, je vais tester. Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il... Mais sérieusement, Linus, au lieu de rester devant le bain thermal, va dedans prendre une douche, quoi. Il peut pas, le pauvre, il est SDF, il a pas d'argent. Mais c'est gratuit. Ou alors peut-être qu'il est juste soluble, hein. Ouais, attends. C'est peut-être gratuit pour toi, mais... Ça m'a validé la quête, mais il m'a rien donné. Ah, c'est de l'arnaque, qu'on dit dans le jeu. Qu'est-ce que t'as dit? Je crois qu'il prend une blague, il est rigolo tout le temps. J'ai pas fait de blague! C'est Imra qui a fait une blague! Je la trouve drôle, je sais pas pourquoi. J'ai dit quoi comme connerie encore? T'as dit qu'il était peut-être soluble! Ah oui! Je l'imagine. Non, pas l'eau! Moi ça me suffit. Et là, paf, y'a juste des cheveux qui flottent. Qu'est-ce que tu portes, Nino? Bah, une glace. C'est des planches. Fais gaffe, j'ai une bombe, hein. Fais pas de bêtises, hein. Il y a une géode dans un coffre, je le dis. Ok, bonne nouvelle, ça. Ne rien faire. Je fais quoi comme bêtise, là? Pardon, excusez-moi. Se pose aussi sur du parquet ou pas? Je sais pas. Y'a qui? Je sais pas du tout, c'est attesté, parce qu'en plus, Guillaume, il y en a une autre. Ah, oui, ça m'intéresse. J'adore ton chapeau. Elle est sous ma tête, hein. Tu peux avoir cette ruche? Bah oui, mais je te la pose où? Ouais. Elle va dans un coffre, écoute. Mais offre-lui. Ah, on peut? Bah oui, si tu lui fais clic grand sur elle, ça lui donne. Bah non. C'est l'accepte. Ah merde, non, bon bah tiens, ah cadeau, non. Allez. Bah, au moins ça me confirme, ça se pose bien sur du parquet. Ah bah t'as... voilà. Un coup de pioche dedans. Pas, je l'ai. Elle est elle là, regarde. Elle a pété le sol, elle a pété le sol. Elle a pété la ruche.
Non mais elle a pété la roue et le sol, non mais c'est n'importe quoi. Et moi on m'a fait un scandale avec la bombe l'autre fois. C'est terrible. Mais on va où là? Moi j'ai pété tous les coffres et on m'a fait une pile. Ah, par contre j'ai pu mettre tout le bois de la... chez Robin parce que j'en avais pris 4 sur moi, mais faut vraiment les dropper quoi. Ah, mais quel... Tu l'as eu la 4 du coup? Alors attends, non. J'ai validé une truc sur deux. C'est t'avais la quête en gros qui ramasser 80 mois. Et en plus de ça, eh ben, il fallait il fallait en dropper 4 de plus. Ouais, comme faire une chanson Merci pour le AT Swellro, c'est gentil. Et il y a Elros qui aime beaucoup le chapeau de Imra. Imra qui est un chevalier bien sûr pour aller à la mine. Je l'ai eu dans une mine, ouais. Avec une pioche. Un méchant. Je le savais que ça allait revenir ça. Je le savais. Oh là, il y a du chemin qui a disparu là. On dirait le chemin dans Alice au pays des merveilles, qui est le chemin qui s'est effacé. Le chemin avait les mêmes rats. Oui. Est-ce qu'elle est la peigne? Et les mêmes rats. Mêmes rats. J'allais dire j'allais pêcher mais j'ai plus de place dans les sacs. Je suis bête. Ah. Tu te sers pas de la ruche en ce moment, Yaki? Elle récolte du miel. Ouais, j'ai fait un AVC, personne m'a aidé, je suis content. Elle fonctionne, t'as des plantes autour? Oui, il y a deux tournesols qui apparemment suffisent à produire du miel. Ah oui, d'accord. Mais oui, c'est véridique ça, le fait qu'il y ait des plantes autour pour attirer les abeilles? Dans le wiki qu'il faut au moins 2-3 fleurs. D'accord, ok. Oui. Ça fait un moment que tu l'as jamais attrapé, le chapeau, Elros, et ça fait un moment que tu joues, d'accord. Elros, ça fait combien de temps que tu joues à Stardew Valley? Si, c'était dans la mine que je l'ai eu. J'ai un doute sur... Oui, mais apparemment, c'est de la chance que tu as eu, Imra, pour l'avoir. Est-ce que c'était dans la mine ou est-ce que c'était une récompense de la quête de l'aventurier? Avoir tué non, toutes c'est... les... Tout ça, deux ans. C'est ça pas que j'ai tué tous les squelettes. Tu mets du bois et de la pierre comme ça. Ouais. Peut-être la guilde des aventuriers. Ouais. Hein. C'est pas bête. Okay, ouais. Je peux aller loin. Deux ans donc. Okay. Voilà, et du coup, Elros, vu que tu te moques des âges avancés, vas-y, assume ton âge, Elros. Ça sent bon. Âge avancé, wow, ça va. Qui c'est qui a un âge avancé ici? Moi je me suis fait insulter, j'ai pas aimé. Papy Jake! Je suis outré! Ah. J'assume pleinement. Bah vas-y, Elros, dis-nous ton âge, vas-y. Sur Papy Ronchon. Il va nous dire 18 ans. Ah, 26 ans, mais ça. Attendez à plus bas. Ouais, il dit papy. Hein. Attendez à plus bas aussi, ouais. Je sais pas pourquoi. Ça me révolte. Il verra quand il commencera à avoir mal aux jambes. Regardez la télé, il y a de la soupe à la truite à apprendre. La soupe à la truite. Je suis encore au bagne. Attends, faut que je sorte. Bah, si, 26 ans, ça va. Ça. Tiens, vas-y, juste avec nos voix et notre façon un peu débile de nous comporter. Elros, vas-y, devine nos 4 âges. Ah. Il va dire que j'ai 15 ans, c'est de la triche. J'ai 15 ans. Moi j'ai 3 ans. Et tu dors, attends, t'as 26 ans et tu dors dans un grenier? T'es Harry Potter? C'est une croix pas. Non, Harry Potter c'est sur l'escalier s'il te plaît. Mais je sais pas, on sait jamais. C'est peut-être un Harry Potter low cost. Pour lui c'est un tétard. Harry Potter low cost. Allez dormir. Et dormir dans un grenier. J'ai de l'huile sur le feu. J'ai de l'huile sur le feu. C'est moi. C'est qui pas au lit? Oui, c'est moi. Il a l'huile, il a l'huile. Mais vas-y, Elros, vous dormez avec deux télés. Mais non, c'est pas un grenier, c'est une brocante. C'est un vide grenier. C'est juste une brocante. C'est juste Jay qui fait n'importe quoi. Bah, c'est juste ma maison. Tu vas voir la maison des autres, on va visiter après si tu veux. C'est pas pareil. Hein. Non. C'est le bordel, hein. Oh, bordel! Allez, j'ai fait beaucoup de citrouilles, d'accord? Eh, la mayonnaise, les gens. Et la mayonnaise. Eh. La mayonnaise et les citrouilles, c'est la vie. Je le fais bien. La mayonnaise et les citrouilles, c'est la vie. Oh merde. Allez, on respire. Je respire.